Diffusion sur le web du festival Écrivain en bord de mer. Et les chaussures. Dans son ancien appartement, Adélaïde avait une chambre amie qui lui donnait l'idée de dessiner. Un doux salon, un coin à lecture. Tout ça, elle le donnait à Elias, qui en était propriétaire. Avec son seul salaire, Adélaïde peut louer ce 35 mètres carrés dans le 20e arrondissement de Paris. Elle a pris un lit d'un mètre 20 le moins de meubles possible. Une table, 4 chaises, 4 canapés. Partout, les portes en poids, le mal déborde, les deux placards implosent. Adélaïde peut un peu se détendre. Les deux plus grandes causes de stress sont les séparations et les... Je vais chercher Bérénice à Sainte-Bazanne. Elle rentre de Rennes en covoiturage avec ses copines. Marqué français. C'est-à-dire qu'on voulait publier 5 livres à la rentrée littéraire de manière un peu étalée. Il devait y avoir 3 livres étrangers et 2 livres français. Il se trouve qu'après, comme on a connu cette pandémie, etc., on a décidé d'être dans la réduction pour justement pas inonder le marché, d'être dans la surproduction, d'une surproduction que les libraires, de toute façon. Grégory Buchère de dos pendant les débats, puis sa chaise vide. Que j'ai filmé lors de notre première rencontre, le jour où je l'ai invité en résidence d'auteur à Grandlieu, il y a plus de 3 ans. Il aura fallu tout ce temps pour que le texte qu'il a écrit devienne un livre, retour sur un départ manqué, apparaître en janvier 2024 dans la collection L'Esprit du lieu aux éditions Jocasseria. Autant de temps qu'il m'aura fallu pour publier ces images. C'est quoi Malakoff? Donc on va tourner autour de ce livre, de ce mot, Malakoff, qui est vraiment le terme qui revient tout le temps dans le livre, qui est un peu le point de fuite de tout ce qui se passe. C'est bien sûr c'est cette ville de banlieue parisienne que vous connaissez tous. Et il se trouve, et c'est ce que va nous faire découvrir bientôt Grégory, qu'il est l'artiste plasticien, Grégory Buchère, avant d'avoir signé ce premier roman. Et un jour, donc, il est invité pour une résidence au centre d'art de Malakoff. Bonjour. Donc, le livre prend la forme d'un journal de bord. Donc, chaque chapitre est daté et comporte un titre. Jeudi 7 janvier 2016, 20 minutes d'entretien. J'ai d'abord cru que la sonnerie faisait partie de mon rêve. Idem pour cette lumière bleue qui jouait sous mes paupières, mais n'était rien d'autre en fait que l'aura pulsative de mon smartphone sur la table de nuit. Et lorsqu'enfin j'ai décroché, il m'a fallu plusieurs secondes pour reconnaître sa voix, diluée dans un léger fond d'exotica. J'ai inspecté l'écran, mais il n'affichait aucun nom. Les coups de fil de Jacques sont trop exceptionnels, environ un tous les 2 ans,
pour que son numéro soit enregistré dans mes contacts. Le jet lag de l'appel, en revanche, portait sa marque. « Je suis à l'étranger », a-t-il dit sans plus de précision. Comme tous les rentiers du marché de l'art international, Jacques vit dans un jour d'été sans fin. Les avions qui l'attrapent décollent toujours à temps pour éviter la nuit, qui soustrait les œuvres d'art à la vue et suspend les affaires.